Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui est la vôtre et où pendant 2 heures vous allez pouvoir parler de vous en toute liberté, en toute sincérité, et pouvoir exprimer vos doutes, vos interrogations, vos aspirations. Pour témoigner, eh bien, il vous suffit d'appeler le 3921. Jusqu'à 1 heure, vous y serez accueillis ce soir par Justin et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous vous sentez proche d'un auditeur, si vous voulez lui apporter du réconfort, partager votre expérience avec lui, eh bien, vous appelez ce même numéro 3921. Vous pouvez également, si vous êtes un petit peu plus timide, nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos messages, vos commentaires, vos réflexions par SMS au 739 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Jusqu'à 1 heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors, quelques petits courriels, justement. Celui de Patrick qui me dit « Je ne sais plus qui disait la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Alors, je tiens à vous faire profiter de mon immense culture et ajouter mon gravillon à la polémique née à la fin de votre émission de la nuit dernière. On parlait c'était au sujet du débat sur le temps, débat qui avait été initié par Xavier, qui trouvait que plus on avançait en âge, plus le temps passait vite. » Et une auditrice avait cité un poème de Corneille, Marquise. Patrick nous dit « Oui, Brassens a mis en musique et interprété ce beau poème de Corneille, Marquise. Non, Corneille n'a pas écrit la dernière strophe, Brassens non plus d'ailleurs. Ses derniers vers seraient de Tristan Bernard. Comment cette info essentielle est-elle venue jusqu'à moi? Tout simplement parce que la retraite me donnant quelques loisirs, j'ai décidé de transférer tous mes CD sur mon ordinateur en MP3 et j'ai procédé à cette opération pour l'intégrale de Brassens la semaine dernière. J'ai donc lu cette info sur le livret accompagnant le CD. Cette semaine, je me consacre à Barbara. Alors si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais écoutez, on va mettre précieusement votre courriel de côté, Patrick, parce que ça peut nous être utile. Merci beaucoup. Et puis, alors là, c'est un coup de gueule de Christophe de Rennes. Christophe que nous avions eu et qui nous avait parlé de son petit taurillon qu'il avait sauvé de la reine et qui est farouchement opposé à la corrida. Et Christophe me dit « Vous avez dû apprendre comme moi que la corrida est inscrite au patrimoine immatériel de la France pour l'UNESCO. » Il dit « Pauvre France », dit Christophe. Alors je crois que c'est pas tout à fait encore officiel. C'est une commission qui s'est réunie et c'est une suggestion, je crois, mais effectivement, ça crée tellement de polémiques que je pense que je crois que c'est une. On en est au stade de une commission qui s'est réunie pour la proposer, mais. Enfin, apparemment, oui, c'est bon. On va pas relancer le débat, mais j'ai pensé à vous quand j'ai appris cette information. En tout cas, je vous ai regardé dans le reportage qui vous était consacré dans l'émission 30 millions d'amis, et on apprenait beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y avait des images qui étaient assez choquantes et assez bouleversante. Il y avait également Océane, que je voulais saluer, qui me dit « J'apprécie beaucoup votre émission que je regarde tous les soirs de Birmingham. » Donc, qui voulait saluer tous les auditeurs. Et puis, oui, elle me dit que je regarde. Non, non, Fifi, c'est bien, elle a bien écrit que je regarde. Alors, elle s'apprête, elle confond peut-être avec le mariage royal qui se prépare, mais non, elle a mis qu'elle écoute et qu'elle regarde, je sais pas,
peut-être qu'elle regarde par comment dire, par la webcam. Christine, elle voulait faire un petit coucou à tous ses amis de Facebook avec qui elle communique. Elle dit voilà, grâce à Facebook, eh bien on fait des rencontres très enrichissantes et pleines d'amour. Allez, on va donner tout de suite la parole, puisque c'est quand même le but de l'émission avant tout, à Annie. Bonsoir Annie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon bah écoutez, j'étais assez angoissée et de vous entendre comme ça, raconter toutes ces petites choses, ça m'a détendue. Bon, mais tant mieux. Oui, oui, oui. Parce que c'est pas... Le sujet va peut-être pas... C'est, comment dirais-je, paraître gravissime, mais disons que pour moi c'est quelque chose qui me gêne terriblement parce que... Alors que je raconte le début. Oui. Il y a quelques. J'ai trois enfants, dont deux garçons. Un qui est déjà à l'étranger. Oui. Et le deuxième, un jour, m'appelle. Bah, maman, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Vous allez voir comment il connaît bien sa mère. Bon, bah voilà, je suis mutée aux Antilles. Oui. Bon, alors forcément. Bien sûr qu'il avait. Il avait compris, je lui ai dit oui, oui, pour moi c'est une mauvaise nouvelle. Oui. Bon, je me suis dépêchée de dire tant mieux si c'en est une pour toi, une bonne, forcément. Mais bon. Je dois dire que le cœur n'y était pas beaucoup. Hein. Il a senti sûrement que j'étais plus triste de son départ. Oui, il savait que pour vous c'était un peu un crève-cœur, mais vous avez réagi aussi quand même tout de suite par rapport à lui. Est-ce que pour lui c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? C'est ça. Comment vit-il cette mutation, lui? S'il fait abstraction de vous et de votre déchirement de le voir partir. Ah bah, pour lui, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour lui. Il s'agit d'une mutation. Une mutation qui fait qu'il va obtenir un poste plus important. D'accord. Dans son travail. Mm-hmm. Ah, mais il part forcément avec femme et petite fille. Oui. Voilà, alors en même temps, forcément, mes petites filles aussi, elles vont s'éloigner. Mais ce que j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est que pourquoi je me lève le matin, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais avoir votre avis, pourquoi je me lève le matin et que pratiquement toute la journée je l'ai dans la tête. Il ne vous en avait pas parlé de ce projet? Mais non, parce que non, il ne le savait pas, ça s'est fait subitement. En deux mois, c'était fait. Voilà. Non, c'était... Il en avait parlé il y a quelques... Oui, mais on demande, en général, ça se demande. Ah oui, non, vous avez raison, bien sûr. Si, on lui demande. Donc, mais enfin, c'est-à-dire une mutation, on demande... Il a fallu qu'il demande quand même... vous voyez, c'est quelque chose qui est venu de lui, enfin, non, il se demandait à évoluer. Non, c'est pas venu de lui. Non. C'est venu de la direction. D'accord. Et on lui a donné un temps de réflexion, quand même. Mm-hmm. Mais un temps court. Mm-hmm. Je crois que c'est 15 jours. Oui, oui. Bon, alors forcément que ça a été quand même assez difficile. Il m'a dit, j'ai fait la colonne des plus, la colonne des moins. Et puis... Mais bon, forcément, maintenant, il en est, bah oui, qui va s'en aller, parce qu'il me dit... Bon, bah, c'est une expérience. Oui. Bon, bien sûr. Mais moi, je me dis, il est à Paris. Moi, je suis à 100 km de Paris, ce qui fait qu'on arrivait quand même à se voir à peu près aux anniversaires de tout le monde. Mm-hmm. Bon, bah, l'absence va me manquer. L'autre fils, déjà, me manque. Il est où, votre autre fils? Au Maroc. Au Maroc, d'accord. Oui, il est enseignant au Maroc. Oui. Oui. Mm-hmm. Et puis le deuxième, il va dans un secteur bancaire. D'accord. Alors tout à fait différent, mais bon. Alors heureusement que j'ai fait trois enfants, il me reste une fille. Alors vous allez la surveiller, là, être. Elle n'a pas intérêt à partir, elle. Hein. Ah non. Elle a une pression là sur ses épaules. Complètement. Puis oui. Mais ce qui me rassure d'autant plus, c'est que alors elle a deux enfants, mais qui me sont
hyper attaché. Je dois dire qu'il ne se verrait jamais partir sans, en me laissant. Oui. Déjà, quand je pars 8 jours en vacances, on croirait que je suis partie 6 mois. Hein. Mmh. Voilà. Mais bon, ça, c'est sûr que j'en suis contente. Mais je ne sais pas pourquoi ce... Alors, l'autre fils, déjà, il est parti depuis... Ça fait déjà 15 ans qu'il est à l'étranger. Oui. Il m'a dit « Je ne reviendrai jamais en France ». Et puis, il vient en vacances, puisqu'il est enseignant, donc il a les vacances scolaires, mais il vient pas tout le temps. Mais enfin, il vient au moins 2 fois par an, ce qui est peu, parce que de son côté aussi, il a une petite fille qui est de mère espagnole. Enfin, vous voyez, c'est assez compliqué. Oui, oui. Alors, vous voyez, ça fait... C'est beaucoup de choses à gérer pour une mère, tout ça. Mm. Hein? Alors, le dernier, c'est vrai que comme un petit dernier, j'étais très attachée, lui aussi, quelque part, parce que récemment, je lui ai dit que j'étais pas très bien. Alors, il me dit, « Oh non, maman, je veux pas entendre ça, tu vas me culpabiliser. » Oui, forcément. Forcément. Bah, d'ailleurs, dans la façon même dont il vous l'annonce, en vous disant que c'est une mauvaise nouvelle, alors que ce n'est pas une pour lui, mais il sait que pour vous, ça va être quelque chose d'un peu difficile à digérer, qu'il va vous falloir accuser le coup. Mais pour autant, vous dites que là, il est à 100 km et que vous vous voyez aux anniversaires, donc de façon ponctuelle. Alors que c'est vrai qu'évidemment, les Antilles, c'est pas la porte à côté, non. Mais ça vous donne la possibilité quand même d'y aller pour un séjour plus long et finalement pour vivre avec eux pour autrement. Enfin, vous profitez même de votre fils, de vos petits-enfants différemment. Parfois que lorsqu'on se voit pour une journée, pour quelques heures. Oui. Ça, je l'entends. Mais alors, hier, j'ai vu les parents de ma belle-fille avec lesquels nous avons de bonnes relations. Alors, eux, ils n'ont pourtant qu'une fille. Mais alors, ils voient que le bon côté, hein, l'affect. Ah, mais c'est formidable. Vous connaissez les Antilles ? Non. Ah, écoutez, ça va être l'occasion de découvrir. Hein. Ils partent où ? La Martinique. Martinique. Oui, c'est une île magnifique. Hein. Alors, sauf qu'aussi que... Alors, est-ce que c'est... Vous allez me le dire, est-ce que ça peut jouer aussi dans mes angoisses ? C'est que j'ai perdu une sœur et un beau-frère en Guadeloupe, d'un accident de voiture. Ah ben oui, évidemment. Alors, je ne sais pas si ça peut réveiller tout ça. Oui, mais évidemment que ça réveille ça, oui. Ils étaient partis à l'occasion de vacances ? Alors, ils étaient partis à l'occasion de vacances, enchantés par la Guadeloupe. Oui. Ma sœur était très manuelle. Elle s'était lancée dans l'artisanat. Ça commençait à marcher très bien. Mmh. Avec mon beau-frère, ils avaient une petite fille, petite. Oui. Et le jour de Noël, un chauffard qui avait bu... voilà, ça fait qu'ils sont décédés et ma nièce a survécu, elle. Mmh. Voilà. Mais bon, ça reste quand même... Vrai. Mais ça reste ancré vous, parce que c'est tragique, évidemment. Oui. Alors, je préfère à la limite que ce soit la Martinique, quand même. Parce que les Guadeloupe... Oui, mais bon... C'est oui, c'est important pour vous. C'est voyez, vous le dites d'ailleurs vous-même. C'est pas la Guadeloupe. Ils ne partent pas en Guadeloupe. Ils partent en Martinique. Là, mais quand votre fils vous a annoncé les Antilles, c'est venu percuter dans votre esprit ce drame familial que vous avez vécu. Oui. Et ça, justement, c'est en parlant avec vous que là j'en prends vraiment conscience. Ben, parce que c'est il y a déjà, ça évoque la séparation, votre fils qui va s'éloigner, qui va se séparer de vous, et voyez comme d'une séparation, ça vous renvoie à une autre séparation, malheureusement celle-ci définitive, c'est-à-dire la mort de votre sœur et de votre beau-frère dans cet accident de voiture. Une sœur que j'adorais en plus.
Donc, vous savez, dans notre esprit, hein, dans notre inconscient, la séparation, la mort, parfois tout est entremêlé. Hein. Oui. Alors, évidemment, là, votre fils, il part aux Antilles, c'est un événement très positif, il est muté, c'est pour une nouvelle responsabilité. Et puis, quand on raisonne, malheureusement, des chauffards, il y en a partout. Hein, oui, oui, peut, oui. Bon, mais vous, vous le dites là en parlant, c'est-à-dire que ça évoque quelque chose d'angoissant déjà, oui, parce qu'il y a le fait d'être séparé, et puis ça renvoie à cela aussi. Et j'ai un gendre qui est de la Guadeloupe. Ça aussi, hein, c'est comme ma fille, hein, justement, quand elle m'a dit qu'elle avait rencontré un Guadeloupéen. Là aussi, c'était aussi un choc. Décidément, on est poursuivi par ces îles. Hein. Je crois que là, oui, je pense que en effet, c'est vrai que ça doit m'envoyer à tout ça quand même. Oui. C'est ce qui explique certainement ce poids un peu que vous avez actuellement sur le cœur. Et puis, ce qui me gêne un petit, enfin, mais quand j'en parle un petit à mes amis. Personne ne comprend que je sois triste qu'ils partent. Au contraire, tout le monde me dit « Ah, mais c'est bien, c'est une super nouvelle, tout ça. » Mais je leur dis « Oui, mais je ne vais pas voir mon fils. »« Mais ça fait rien, t'iras le voir, tout ça. » Personne, je me dis « C'est bizarre. » Je me dis « Personne ne me dit « Ah, c'est vrai, tu le verras moins. » J'aimerais bien des fois entendre cela quand même, sans être trop compatissant avec moi, mais... Je sais pas, ça, je me dis, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment que j'en ai deux qui vont être partis? Oui, ça vous peine un peu de leur éloignement. Mais en même temps, bon, ça peut se comprendre dans le sens où, alors en plus, au vu de votre histoire, hein, il y a ce que vous nous dites, il y a des angoisses plus sous-jacentes, mais il n'y a pas de raison que ça réveille des traumatismes là. Bon, mais ça veut dire aussi. Annie, que vous avez bien joué votre rôle de mère, c'est-à-dire que vos enfants peuvent finalement s'éloigner de vous. Alors, c'est finalement vous vous dites ah ben si j'avais su peut-être, mais c'est-à-dire qu'au fond ils ont acquis une sécurité qui leur permet de mener leur vie, de d'avoir une autonomie. Ils ont construit leur couple, leur vie de famille, de s'éloigner de sans crainte finalement. D'aller à travers le grand monde, alors qu'il y a des enfants, même adultes, qui ne peuvent pas, au fond, quitter, s'éloigner de leurs parents, de leur terre natale, parce qu'ils n'ont pas acquis ce sentiment de sécurité intérieure. Donc vous leur avez donné suffisamment, donc vous devriez aussi. J'aurais beaucoup donné, c'est vrai. Oui. Et quand je vous disais finalement de pouvoir aller les voir, c'est vous les verrez aussi dans d'autres conditions qu'en les voyant finalement peut-être, c'est vrai, plus souvent, mais pas dans des conditions... Là, ça vous permettra d'habiter, vraiment de partager des moments, de vivre avec eux, et puis vous, de découvrir aussi. De découvrir cette île que vous ne connaissez pas. Ça sera aussi enrichissant pour vous. Et même dans les relations que vous aurez avec votre fils, votre belle-fille, votre
votre petit fils, une petite fille, vos deux petites filles, il y a cette présence, vous voyez, d'être là, ça sera même une fête pour elles quand elles sauront que leur mamie va venir, va, bon. Donc, je crois que, bon, il y a ce temps-là de réaction, mais qu'au final, ça peut être quelque chose de très constructif. Bah, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, ce temps de réaction, parce que, bon, ils doivent remarquer, ils partent tôt, hein, ils partent début août, alors ce matin, il y en a, vous voyez, tout s'est fait très très vite, en l'espace de 3 mois. Hein. Voilà, alors, bon... sûrement que ça sera quand même difficile, mais bon, ça sera peut-être c'est la période des vacances. Alors je me dis peut-être que c'est bon, ça sera à s'occuper, à faire des choses pour. Mais je sens quand même que. Mais vous irez un peu en Martinique, un peu au Maroc, et puis vous irez après, voilà, voyager. Le Maroc, je l'ai déjà fait. Plus, c'est la porte à côté. C'est pas. Non, mais pendant un moment, mon fils voulait encore s'éloigner, encore plus loin. Mais comme il a sa petite fille en l'autre. Bon, et puis c'est une expérience. Hein, ça veut dire que votre fils aussi, il va pas forcément s'installer là-bas. Et puis. Non, il part pour 3 ans. Hein. Bon, il part pour 3 ans. Voilà. Oui. Bah, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Mais je dis 3 ans, c'est long. Et l'autre jour, bon, quand tout va bien, je suis beaucoup dans l'humour. Et lui aussi. Alors je lui dis, tu te rends compte qu'en 3 ans, il peut s'en passer des choses. Je peux même mourir. Et il m'a répondu, ça sera une occasion de revenir en France. Vous voyez, et on arrive tous les deux. Voilà. Bon, bah, voilà. Oui, c'est une façon de dédramatiser. Voilà. Là, en fin de compte, je me suis dit, bon, bah, ça Mais va. Oui, il a raison. Voilà. J'ai réussi à rire, donc je me suis dit, bon, ça, c'est peut-être, c'était... Il y en a peut-être qui n'auraient pas osé dire ça. Mais parce qu'il connaît vos angoisses. Il connaît vos angoisses, puisque, bon, il connaît, c'était son oncle et sa tante aussi, hein, donc, bon. Bon, il n'y a pas de raison, mais c'est important que vous ayez fait le lien, là, ce soir aussi. Oui, parce voilà, que ça va vous permettre un peu de comprendre un peu ce qui est en jeu derrière cela. C'est important. Oui. Et de vous apaiser un peu. Oui. Et de dire qu'au contraire, pour votre fille, c'est quelque chose de très constructif dans sa vie. Et que vous allez voir, quand vous aurez goûté un peu à toute la cuisine antillaise, la luxuriance comme ça, des végétaux, des fleurs, vous allez voir. Vous n'aurez plus envie de partir, vous non plus. À la douceur de vivre là-bas. Oui, ben là, ça me fait du bien, en effet. Ah oui, vous allez voir, c'est vraiment, vous aurez envie de prolonger votre séjour, Annie. Hein. Oui, vraiment. C'est ce qu'on Et les plages, magnifiques. Vous allez voir les plages. C'est un rêve. Ah oui. Bon, ben alors tant mieux. Vraiment. Ça va me faire du bien. Oui, ça va vraiment vous faire du bien, vous allez voir. Mais là, pour le moment, c'est vrai que, bon... Mais allez voir un peu dans des agences de voyage et tout. Allez voir, regardez. Oui, vous allez voir, vous allez embarquer avant eux, je le sens. Oui, je vais prendre des catalogues. Très bien. Merci Annie de votre appel. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Un petit message de Gabriel qui dit je comprends le témoignage d'Annie, mais en même temps peut-être qu'il faudrait aussi qu'elle réfléchisse au sens de sa vie au-delà de son rôle de mère et de grand-mère. Et puis il y a Catherine qui revenait sur le courriel de Christophe qui nous avait parlé de la corrida en disant Christophe est génial, une grosse bise à son taurillon. La Catalogne a interdit la corrida l'an dernier et en France, eh bien, on en est encore à la corrida. Quelle régression. Allez, on va accueillir maintenant Maryse. Bonsoir Maryse. Bonsoir. Bonsoir. Je me suis permis de vous appeler parce vous avez que bien j'ai fait. Écouté l'auditrice. Annie, oui. Et je suis dans son cas, c'est-à-dire que moi j'ai mon fils qui est parti, ça fait 4 ans... pour les études, et puis maintenant pour réseau professionnel. Il était en Australie,
Il était ensuite au Canada. Maintenant, il est sur la côte ouest aux États-Unis. Et le bon moyen que nous avons trouvé pour conserver le lien, c'est de s'appeler sur Skype tous les dimanches. Et ça, c'est formidable, parce que c'est beaucoup mieux que le téléphone, parce qu'on se voit. Alors Skype, c'est gratuit en plus. Oui, en plus c'est gratuit, absolument. Ouais. Mm-hmm. Skype, ouais, c'est-à-dire oui, donc là il faut forcément avoir un ordinateur. Oui, le Wi-Fi. Voilà, et oui, c'est pour ça que je ne pense pas à tout ça, évidemment, alors que vous êtes... Non, mais c'est, vous avez bien fait d'appeler, parce que ça vaut le coup de s'équiper, si Maryse... Ah, oui, si Maryse n'est pas équipée, ça vaut le coup, peut-être que son... Mais vous avez bien fait, parce que moi, je n'y pense pas une seconde, puisque, évidemment, ça, ça me passe, mais alors à 2000, quoi. Donc, oui, c'est ça, Skype, c'est vous téléphoner avec votre ordinateur et vous voyez par la webcam. Absolument. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment le plus. Ah, mais ça, c'est formidable, oui. Ah, ouais. Et mm-hmm. Je vois, là, le week-end dernier, j'étais chez ma sœur et son fils, donc mon neveu, est au Canada. Eh bien, c'est pareil. Nous nous sommes appelés et tout le monde se parlait. Et c'était extraordinaire, quoi. Oui. Alors évidemment, il y a la question du décalage horaire, mais ça, on le gère. Hein. On sait à quelle heure on s'appelle. Bah, surtout, oui, avec les Antilles, effectivement, ça dépend selon le pays où on se trouve. Et alors là, il se trouve que c'est pas, ça reste la France, mais bon, c'est les dom-toms. Hein, mais bon, il y a un décalage. C'est 6 heures de moins. Oui, je crois que c'est 6 heures de moins, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, avec mon fils, c'est 9 heures de moins. Alors, il faut calculer, oui. Oui. Il faut mais vraiment, ça change beaucoup le problème de l'éloignement, quoi. Parce que... Ben, c'est vrai que, oui, ça crée du coup cette proximité. C'est bien, c'est quand même c'est formidable de pouvoir voir, surtout quand il y a des enfants petits. Comme oui, ça, moi, c'est pas plus. Mon cas, mais même. Enfin, oh, mais même, de toute façon. Absolument. C'est vrai que même de pouvoir quand même se voir, de pouvoir, ça abolit un peu les distances. Hein. Oui, parce que quand ils sont en Australie, sur la côte ouest, vous voyez, ça fait loin. Quoi. Ah ben d'ailleurs, pas comme ça, quoi. D'ailleurs, là, j'ai un petit mail de Cocomine qui dit, voilà, 10 ans que mon fils est parti travailler à Londres, mais nous communiquons par Internet sur MSN et j'ai l'impression qu'il est tout près de moi. Annie pourra voir ses enfants et sa petite fille en vidéo sur Internet et puis l'occasion de faire un beau voyage plus long que par une agence de voyage. Elle lui dit, bon courage, c'est l'avenir de vos enfants qui est en jeu, pensez-y. Et c'est ce que dit aussi Olivier, le patron qui dit si Annie a Internet, elle pourra voir sa famille grâce au web. Exactement. Donc, voilà. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup pour cette info. Un autre message aussi qui dit de toute façon, la distance n'enlève rien à l'amour. Cette maman devrait savoir que c'est cela le plus important. Cette personne ne s'est pas signé le message, mais qui dit j'ai moi un enfant qui est proche de moi, mais qui a rompu toute relation. Hein. Malheureusement, ça arrive. Hein. Donc, bon. Certes, mais enfin, l'éloignement, quand même, c'est pas simple. Non. Et je comprends tout à fait cette maman qui trouve qu'elle manque de compassion parce que c'est vrai, faut bien le dire. Oui, on peut pas balayer d'un revers de la main en disant oh ben c'est génial, vous irez les voir. Je comprends qu'il y ait un pincement au cœur de dire bon, effectivement, quand dire les enfants, les petits enfants, dire bon ben pour les voir, voilà, il faut quand même faire 6 ou 8 heures d'avion, voire plus. C'est pas simple, hein, c'est non. Pas simple. Il y a bon, même si on sait que les enfants ne nous appartiennent pas, qu'ils s'éloignent, qu'ils font leur vie, bon, c'est un petit peu compliqué quand il y a des distances comme cela. Et bon, alors après, évidemment, il y a des moments, il y a ces moments, comme je disais, des temps comme ça à passer, des séjours, des moments de vacances partager, qui peuvent être des moments très riches aussi, hein, très forts. Tout à fait, assez privilégiés d'ailleurs. Un message de Notre Majesté Georges qui dit « Moi, je vous envoie en ce moment même des SMS du Kenya » et qui dit « Oui, ça passe, les antennes sont sur la tête des girafes. » Tiens, je croyais qu'il se préparait pourtant pour le mariage royal qui doit avoir lieu vendredi puisque toutes les têtes couronnées sont invitées. Donc, il n'y a pas de raison que Notre Majesté n'y soit pas. Mais bon, je ne sais pas, apparemment, il a fait un petit détour par le Kenya. Mais il est assez original, hein, notre bon roi. Bon, ben merci beaucoup, Maryse, d'avoir appelé. Je vous en prie et merci pour votre émission. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21.
34 centimes les minutes. Bonsoir Geneviève. Je suis excessivement heureuse d'avoir été rappelée par Quentin et de vous avoir parce que je suis fidèle à votre émission. Sans me forcer, vous faites partie de ma vie. Oui, et les auditeurs et tous les cas multiples très douloureux, je les épouse. Et je ne pourrai pas me passer, tant que j'ai ma tête, de votre émission. Voilà. Vous m'avez manqué la semaine dernière, quand il y avait Sophie. Ouais, merci, merci beaucoup. Non, on est habitués. Elle est charmante, elle a été aussi très bien. Ah oui, voilà. Elle est formidable, Sophie. Oui, juste une petite parenthèse pour dire, je viens d'écouter le cas de cette dame, qui son fils part pour 3 ans et tout ce que vous avez dit, vous, et la dame qui a témoigné et tout. Je comprends tout, ayant une fille et un gendre qui sont partis aux États-Unis en 1998 pour 1 an et qui sont encore. Et que c'est merveilleux de les retrouver, même qu'une fois par an pour 1 mois. Les enfants grandissent, c'est la fête. On gomme, nous, les mamies. On ferme les yeux sur tous les aspects qu'on ne passerait pas dessus en France. C'est la joie, c'est la fête. C'est l'occasion d'un voyage merveilleux et sans arrêt de se dire, c'est leur vie, c'est leur destin. Et à partir de ce moment-là, on est quand même heureux. Mais c'est le fait est que par Internet, moi j'ai ma fille constamment tous les jours, même plusieurs fois par jour, les petits-enfants aussi, je vis leur vie au quotidien. Ça allège beaucoup notre peine, le manquement. Mais il n'y a pas de peine puisque c'est leur destin, c'est leur avenir, c'est leur vie. Et ils la vivent très très bien. Et le danger... qu'il soit à la Martinique, à la Guadeloupe, en France, à La Rochelle, à Paris, oui. Il est partout. Il est le même. Hein. On peut se faire écraser, renverser par un chauffard, n'importe où. Mais bon, c'était important quand même qu'Annie nous a dit avoir fait le lien, au fond, en parlant là. Peut-être que ça va l'aider à prendre un petit peu de distance, au fond, dans l'angoisse, dans le poids qu'elle ressentait. Oui. Ça n'enlève pas qu'il faut qu'elle digère un petit peu, mais ça, certainement que ça ajoute. J'ai pleuré énormément lorsque ma fille est partie. Et puis, on s'y fait. J'ai écrit, parce que rien ne remplace, comme elle dit, une lettre dans la boîte. Il n'y a que toi, maman, qui continue de nous écrire. Mais j'ai écrit beaucoup, beaucoup. Ça m'a énormément aidée. Et elle aussi, parce qu'elle a pleuré quand même, peut-être pas autant que moi, mais elle a pleuré pendant 6 mois parce qu'elle était partie avec 2 valises. Et maintenant, il y a 2 enfants, et etc., etc. Quoi. Ah oui, maintenant, il y a deux enfants en plus des 2 valises. Ah oui, un garçon qui vient d'avoir 11 ans. Oui. Et une petite fille de 5 ans et demi qui s'en est là-bas, puisque lui, il était parti avec une bourse du ministère de la France en post-doc à l'université de Yale. Mmh. Et puis, résultat, il a été remarqué pour ses travaux et maintenant, il est directeur de recherche à l'université de Chicago. Donc, leur vie, elle est là-bas. Ah oui, oui. Et je suis ravie pour eux. Oui, oui. Oui, c'est formidable. Mais nous avons du chagrin, les mamans. Cette dame, avec sa sœur et son beau-frère, mort en Guadeloupe, évidemment, elle fait une... on le comprend. Elle fait un lien. Mais le risque, il est partout, oui. Même là, devant notre porte. Mmh. Au contraire, qu'elle soit ravie de l'évolution, comme vous l'avez si bien souligné, de ses enfants et de la situation de cet enfant et des autres. Et ça va lui donner, comme vous l'avez si bien dit, l'occasion d'aller faire des voyages, de découvrir autre chose et elle-même de se désangoisser. Parce que je suis une anxieuse chronique, donc je sais de quoi je cause. Pardon. Alors, vous vouliez, Geneviève, venir finalement... vous dites être une anxieuse chronique et pourtant... C'est marqué sur les dossiers médicaux. Point barre. Ah mais moi, je n'ai pas votre dossier médical, Geneviève. Je ne suis pas médecin. Ayant perdu un petit enfant, jeune, mariée, oui. Un mari, un deuxième comme un mari, oui. 20 ans de gros pépins de la galerie Farfouille à fréquenter les hôpitaux comme d'autres fréquentent les boîtes de nuit ou les galeries Lafayette, on en ressort, madame, avec un humour et une philosophie. Oui, oui, mais c'est ce qui est génial. Donc, ça n'empêche pas l'humour d'être anxieux. Au contraire, oui, finalement. Oui, ça peut être une parade. Ça aide. Oui. Ça aide. Oui.
Oui. Mais et vous disiez au standard que quand même, avec le temps, cette anxiété peut-être, alors elle est toujours là, elle s'apaise, elle s'atténue, elle est moins... Elle est énormément gommée. Disons qu'elle est là, mais avec le temps, la sagesse, on se fait une raison de tout. Mais j'intervenais hier soir près de une jeune téléphoniste là, pour donc le temps, et... Il est vrai que j'ai 67 ans, je suis ravie d'avoir cet âge, mais il est vrai que quand on est jeune, les enfants, le mari, j'avais un mari qui était déménageur, qui était toujours sur les routes, tout ça, on ne fait que courir, on ne fait que se tracasser, on ne fait que se dépêcher, on ne fait que se projeter là, sur l'heure qui est, etc., etc., etc. Et je disais à Quentin tout à l'heure, lorsqu'on a réglé nos problèmes existentiels, et le fait aussi, je le reconnais, chaque être humain à son histoire. Donc on ne peut pas comparer Pierre à Jacques, surtout pas. Mais le fait d'avoir perdu très jeune un enfant, d'avoir perdu un mari, j'avais 50 ans, tout ça, enfin, d'avoir vu la mort en face, l'adversité en face, énormément de tuiles, comme j'ai dit, 20 ans passés tous les ans à l'hôpital, de boulot de la galerie Farfouille, on en est sorti, c'est l'essentiel. Mais ça fait relativiser toutes les choses, lorsque justement on a réglé nos problèmes existentiels, et à propos du temps, je disais hier soir, et je suis sincère, c'est que j'ai un défaut d'être très sincère, je me compare en permanence à une femme jeune de 30, 35 ans, dans ma tête, oui. Mais j'ai le temps de tout, j'ai la chance d'habiter un endroit très calme et très vert, et je ne me passe pas une journée, je passe peut-être des heures entières sur ma terrasse, à regarder les oiseaux, les pigeons, tout, les arbres qui n'arrêtent pas de pousser, tout. J'ai le privilège, avec l'âge, et certainement avec tout ce que j'ai vécu avant, d'avoir le temps de tout, de vivre, de causer, de respirer, de regarder ces petits oiseaux, ces fleurs, d'être là, tiens, on veut appeler maman depuis Chicago, maman est là, il y a un fils à Paris, maman est là, j'ai le temps de tout, et mon âge ne me fait pas peur par rapport à Xavier, et peut-être aussi, c'est vrai, par rapport à ce que j'ai vu, puisque j'ai accompagné le deuxième homme de ma vie jusqu'à sa dernière seconde, je l'ai soigné à la maison d'un cancer des poumons, j'ai pas peur de la mort, ma mort à moi ne me fait pas peur, celle de mes enfants et de mes petits-enfants, je n'aime mieux pas y penser, mais la mienne, elle ne me fait pas peur, elle arrivera comme elle doit arriver, et j'ai de l'avoir vue en face, par trois fois, en dehors de mes parents, je trouve que la mort, sauf quand c'est un être jeune, c'est une délivrance, c'est un passage obligé, et à partir de ce moment-là, je vis ma vie, que je n'ai jamais vécue comme ça auparavant quand j'étais jeune, avec une philosophie, et je prends le temps de tout, de vivre. Le balai reste là, je passe mon doigt sur la poussière est ma meilleure amie pendant quelques jours, qu'importe, j'ai changé à 100%, et je trouve que mon âge et l'éventualité de ma mort dans une heure ou je ne sais pas quand, dans 20 ans, elle ne me fait pas peur et ça me rend la vie beaucoup plus précieuse. Je trouve une précieuseté de la vie, de chaque moment, beaucoup se moquer. Mais mes petits oiseaux, je leur jette du pain, je leur jette tout. J'ai des compagnies d'oiseaux. Mais c'est très réconfortant de vous entendre parce que, j'ai envie de dire, il faudrait dire à vos médecins qu'ils rayent de vos dossiers médicaux anxieuses chroniques. On ne sent plus cela chez vous aujourd'hui. C'était marqué, Caroline, pour avoir une incapacité de travail à 60%, parce que j'ai passé dans les bras des chirurgiens. Ils se sont payés mon corps une dizaine de fois. Ils sont ravissants. Ils m'ont pas dit si j'étais belle, ils m'ont pas dit qu'est-ce que j'avais dit pendant une journée. Je m'en moque, je suis là. Mais le docteur qui me soigne, j'ai vécu avec son oncle que j'ai soigné, que j'ai fait vivre 6 mois de plus grâce à mon amour instinctif, hein. Ne parlons pas de l'amour là. Mais c'est vrai que les épreuves, et il y a plein de personnes, femmes ou hommes, et qui m'entendent et qui épousent ce que je dis parce que je vous écoute trop votre émission ou d'autres, les épreuves de la vie nous enrichissent. Oui, mais quelles épreuves? Parce que vous dites, enfin, perdre un enfant. Vous voyez, c'est-à-dire.
que j'ai voulu exprès, que j'ai fait exprès, qui est mort de la myasthénie. Un mari qui m'a jamais dit un gros mot pendant 30 ans, qui oui, est parti d'un cancer mais en 6 mois. Justement, Geneviève, vous pourriez, vous dites aujourd'hui, on entend bien à quel point vous êtes dans cette vie où vous l'appréciez, vous la goûtez, vous la dégustez. Et là où d'autres personnes, et c'est pas chacun, comme vous dites, on ne peut pas comparer, parce que il y a des personnes, pas, et c'est pas du tout qui au contraire ne peuvent pas se surmonter, seraient dans quelque chose ne parviendraient pas à surmonter les épreuves, des traumatismes. Voilà. Vous qui écoutez tant de peine, tant de misère, vous qui parlez sans arrêt du rappel à l'enfance, oui. Dieu que vous avez raison. Je suis la dernière de 6, j'étais la petite gâtée de la famille, je suis née en 44, j'ai été chouchoutée par une maman qui était d'un milieu bourgeois, qui chantait, qui écrivait, qui brodait, qui était une grande instruite, qui d'ailleurs écrivait, enfin je me comprends en amateur, mais qui a été publiée. J'avais une maman qui m'a adorée, j'ai été la petite préférée, les grandes sœurs me l'ont dit, mais Inch'Allah, tant pis. Mais je dois mon rebondissement à mon enfance, qui ne m'a pas laissé, à part deux fossés dans ma vie, une seule ombre négative. Et ça, c'est important, Caroline. C'est très, très important. C'est même vital. Car j'ai un frère qui était né avant moi, qui lui a été le maltraité de la famille. Passons, ça a été le désastre de la famille sur 6 enfants. Le manque d'amour... Ouais. On ne sait pas pourquoi. Et vous avez entièrement raison de dire à tous ces auditeurs, il y a le rappel à l'enfance, c'est dans votre enfance, cherchez. Et combien de fois, parce que moi aussi j'ai voulu passer de l'autre côté, c'était des appels au secours, j'ai fait énormément de dépression et j'ai laissé tomber les médicaments depuis la mort de mon mari, parce que les enfants m'ont dit, tu vois maman, tu vois, on ne survivrait pas si t'arrivait la même chose. Et ça m'a fait un choc et une thérapie en même temps, ce qui n'a pas empêché que j'ai souffert. Mais c'est vrai que de toute façon, sans arrêt, cette enfance, j'ai baigné dans une enfance merveilleuse, elle me sert de tremplin, elle me sert. Mais le temps, et alors pour en revenir à ce temps, je n'étais pas d'accord avec Xavier, ni avec peut-être d'autres personnes, mais chaque être humain en soi, et c'est ça qui est formidable, c'est la richesse de la vie, à sa propre expérience et sa propre manière de voilà. Mais je trouve que le temps, lorsqu'on arrive à un certain âge, comme l'ont dit d'autres personnes, c'est merveilleux, on a tout devant nous, en sachant très bien qu'on peut partir dans une heure comme dans 20 ans. Mais c'est ça qui rend le moment plus précieux, bon sang. Goûtons-la maintenant, la vie. Regardons-le, le soleil. Et quand elle me dit, avez-vous le temps de vous disponible? Mais oui, jusqu'à 14h du matin, s'il faut. Je vous écoute. Je fais des cookies, je fais des tartes, je fais des soufflés. Je m'occupe en permanence. Vous avez ce tempérament, c'est ça. On parlait finalement, ça a été ce socle là, d'avoir été... Très aimé par adoré. Votre mère, vous dites adoré. Ouais. Papa ne le montrait pas. Papa, je tremblais quand il fallait l'embrasser le jour de la bonne année. Papa ne montrait pas. Papa était pas sévère, moins expansif que maman. Mais il m'a donné deux fossés dans la vie que je méritais. mais vous dites bien que ça a été le tremplin qui vous a permis de surmonter tout, et y compris le pire. Madame Caroline, oui, parce que je n'irai pas dans les détails, mais j'ai un frère qui est décédé aujourd'hui, qui a été 12 ans à Cadillac et il n'avait ni violé, ni tué, ni quoi que ce soit. Mal dirigé à 13 ans parce qu'il buvait avec les Américains et qui était là, je me comprends, dans nos contrées. Et mal aimé parce que mon papa avait qui est une unité de malades très difficilement dangereux. Mais il n'avait rien fait de répréhensible. Je dis pour ceux qui ne connaissent pas. Puisqu'elle a été reconnue guérie après et qu'il a ouvert 2 magasins d'antiquaires dans une certaine ville. Mais mon papa... tout ça, personne n'est responsable. Mon papa était garde-chasse et il venait d'être amputé quand maman était enceinte de 8 mois et demi. Maman a eu toutes les phases de l'accouchement avec la tête qui avait commencé un peu à sortir, qui est rentrée pour naître plus tard. Et il y a eu de gros problèmes à l'adolescence. Et papa étant amputé, voyant toute une vie de château, ils étaient en Touraine, garde-chasse, c'était la vie de château et tout. Bon, s'est trouvé, comment dirais-je, confronté lui aussi à ça, quoi. Et avait donné le même prénom aussi à mon frère que le sien, et je l'avais dit.
dit à ces gens qui écrivaient aux sœurs que nous étions, j'avais dit que mon frère, moi, la petite dernière, j'avais vu, avait été le mal-aimé de la famille. Et oui, mais on voit bien comment, dans une même famille, au fond, vous avez deux destinées très différentes, donc, mais parce que vous n'avez pas du tout été élevé de la même façon. Et c'est vrai que vous n'avez pas, il n'y a pas eu le même terreau, et vous l'illustrez magnifiquement, hein, c'est-à-dire cette nourriture affective que vous avez reçue, parce qu'on va rester sur vous, parce que votre témoignage est tellement, je trouve, réconfortant. Nature. J'ai un défaut, je suis nature. Votre témoignage est tellement réconfortant parce que en même temps, ça montre aussi, d'ailleurs, que même malgré une enfance, je pense que, quelle que soit malgré une enfance difficile, quels que soient les obstacles que l'on peut rencontrer sur sa route, un manque d'amour, compris, cerné, travaillé, élaboré, on peut vraiment faire quelque chose. C'est vrai qu'évidemment, ça peut paraître très injuste, et ça l'est au départ, parce que là où d'autres s'est donné au départ d'emblée, eh bien, il faut des années pour se construire, là où d'autres, eh bien, immédiatement peuvent avoir toute cette énergie pour eux-mêmes, là où d'autres doivent passer par souvent des années de thérapie pour se libérer de beaucoup de souffrances. En tout cas, il y a First Lisa qui... Un mari qui m'a adoré pendant 30 ans, qui m'a jamais dit un gros mot, qui m'a énormément adoré. Oui, mais parce que vous allez vers ce qui est bon pour vous. Et oui, forcément. Il y a First Lisa qui dit, en tout cas, qui dit « Quelle grâce émane de cette dame ». Et c'est vrai que ça a été un délice de vous parler, Geneviève. Je suis croyante sans flagornerie. Je crois... à la vie, je crois en l'amour, je crois aux actes positifs, je crois voilà. Mais pour revenir au temps, je témoigne que le temps, en vieillissant, on a chaque être humain dit ce qu'il ressent et comment il le ressent. Et j'ai le temps de tout. Et l'approche de la mort, même si elle a été évoquée intelligemment et avec sérénité par les dames hier au soir, elle ne me fait pas peur. Elle viendra quand elle voudra, la copine. On l'entend. Oui, on l'entend. On entend beaucoup cette sérénité. Mais écoutez, le plus tard possible, que vous continuez comme ça à éliminer nos nuits. Ils m'adorent. Et que vous continuez. N'hésitez pas à intervenir puisque vous êtes une fidèle de l'émission. Si certains soirs vous entendez un témoignage et y réagir. Il y a des fois que je n'ose pas intervenir pour ne pas, si vous voulez, répéter trop ma présence à l'antenne. Mais Dieu, que il y a des fois ça me prend le corps et la tête. Appelez-nous alors. Mais je préfère laisser d'autres personnes. Non, si vous voulez, appelez-nous Geneviève si vous pouvez apporter. J'ai peur souvent. N'ayez pas peur. Allez, ne vous laissez pas gagner par l'anxiété appelez-nous. Ça sera avec plaisir. D'autres fois, je dis, vous laissez la place. Alors là, on va laisser la place effectivement à d'autres, mais ça a été un plaisir de vraiment d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Geneviève. Merci Caroline, merci infiniment. Moi. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Gabriel des Hauts-de-Seine me dit, que pensez-vous de cette magnifique chanson de Léo Ferré avec le temps? Gabrielle qui ajoute, elle me fait pleurer quand je l'écoute. Écoutez, la réponse est dans votre question. Hein, c'est moi aussi. Elle me bouleverse, surtout interprétée par Léo Ferré. Remarquez, Catherine Lara a fait une reprise là qui est belle également, magnifique. Elle est sublime. Elle est sublime. Je reçois des mails encore suite au témoignage d'Annie. Hervé dit, une mère qui voit partir son enfant lui a au moins donné la possibilité de voler de ses propres ailes. À bientôt 40 ans, j'ai pour ma part une maman qui, de par son histoire, a eu effroyablement peur de perdre sa nichée. C'est long de balbutier perpétuellement dans l'existence. Des fois, on a envie de fermer les yeux, dit Hervé, pour oublier les angoisses. Néanmoins, je pense que l'on avance aussi avec les autres. La preuve, quand j'écoute les témoignages de votre émission, il est des nuits qui s'éclairent et parfois le matin, j'ai l'étrange impression d'avoir évolué, nous dit Hervé. Marie-Christine dit, j'habite au Brésil depuis 8 ans. Ce n'était facile ni pour mes parents et beaux-parents, ni pour nous, ni pour mes enfants au début. Mais tout le monde maintenant profite pour voyager et vive Skype.
Il est bientôt minuit. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1, le journal présenté par Antonin Amado. Bonsoir Antonin. Bien entendu, jusqu'à une heure, vous pouvez prendre la parole sur Europe 1 en composant le 39-21. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez en faisant ce même numéro. Vous pouvez également nous faire part de toutes vos réflexions par SMS au 7-39-21. N'oubliez pas de commencer votre message avec le mot « nuit ». Ou nous envoyer un courriel sur le site europe1.fr. Et tout de suite, nous allons accueillir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, merci de me recevoir ce soir sur votre antenne. Mais je vous en prie. Alors, voulez me parler de la fille de votre amie avec qui vous vivez depuis un an, hein? Oui, tout à fait. Voilà, donc j'ai rencontré son papa il y a un an. On s'est mis en ménage ensemble, et donc avec mon fils et puis sa fille. Donc tout allait très bien. Et puis un jour, elle a rencontré un jeune garçon. Bon, ça n'a pas marché. Et puis par la suite, elle en a rencontré un autre. Et là, très vite... Donc elle a 20 ans, hein, cette jeune fille. Elle a 20 ans, mon fils a 20 ans aussi. Et donc, ce garçon est venu vivre chez nous. Bon, je pensais que c'était épisodique, mais non, c'est... donc il s'est installé. Il s'est installé. Bon, il trouvait que la maison était bonne. Je pense, oui, il s'est installé. Donc, ce jeune homme ne travaillait pas. Enfin, il a travaillé. En fait, il nous avait caché qu'il avait été licencié. Voilà, et il nous avait dit qu'il allait reprendre son travail dans quelques temps. Donc, on l'a cru. Et puis, en fin de compte, ben, il n'a pas repris son travail du tout. Et puis, son papa lui disait, écoute, maintenant, il serait bien que tu te trouves un petit travail, parce que ça faisait un an qu'elle avait quitté l'école. Elle a raté deux fois son bac. Et puis, bon, elle était sans activité. Et puis, le papa étant, disons, n'étant pas là la semaine, donc la jeune fille, auparavant, habitait chez lui. Donc, elle était livrée à elle-même, si vous voulez. Et puis, bon, elle n'a jamais travaillé. Et puis, un jour, il est arrivé dans l'après-midi et il a trouvé donc le copain et sa fille encore endormis au lit. Donc, ça ne lui a pas très fait plaisir. Il lui a dit, écoute, à 3 heures de l'après-midi, je pense que vous pouvez quand même vous lever et puis faire autre chose que de passer vos journées sur Facebook ou sur les ordinateurs. Oui. Voilà. Donc, moi, effectivement, vivant avec eux, je voyais très bien que lorsque moi je mangeais à midi, eux, à peu près, c'était leur heure pour se lever et déjeuner. Et oui. Après, ils repartaient dans leur chambre, dans la chambre pour... Voilà. Et donc, le papa lui a dit un jour, écoute, maintenant, ça suffit, il faut vraiment que tu te prennes en charge. Alors, sa fille lui a dit, écoute, on cherche un appartement et on voudrait s'en aller. Alors, son papa lui a dit, écoute, ton copain, il touche les ascétiques. Toi, tu n'as pas de revenus, hormis l'argent qu'il lui perd tous les mois. Oui. Donc, moi, je ne suis pas d'accord pour que vous preniez un appartement. Puis bon, malgré tout, ils ont quand même trouvé un appartement. Et puis, un après-midi, sans prévenir son papa, elle est partie. Et elle a pris cet appartement avec son ami, son copain. Voilà, donc en fait, elle habite dans un petit coin perdu. Le garçon, il a une voiture. Donc, ils vont payer avec les ascédiques. Enfin, ils se débrouillent. Voilà, c'est ça. Oui. Bah, après, on ne sait pas trop. Quoi, peut-être que ça va les amener, justement, puisque, au fond, son père lui dit de prendre ses responsabilités. Peut-être que là, elle va commencer à les prendre. Oui. C'est une façon de commencer à prendre ses responsabilités. D'accord, mais ce qui me chagrine, en fait, c'est que
Il y a 2 ans, sa maman lui a fait une réflexion concernant sa chambre, puisqu'à l'époque, elle vivait chez sa maman. Et elle a pris ma prise, et elle a pris sa valise, elle est partie vivre chez son papa. Donc son papa n'étant pas là la semaine, elle avait l'appartement pour elle toute seule. Et en fin de compte, elle allait à l'école quand bon lui semblait. Et elle faisait plus la fête qu'autre chose. Oui. Voilà. Faut dire aussi que ma belle-fille a toujours été très gâtée par ses parents. Oui. C'est-à-dire que, bon, en fait, elle n'avait même pas à demander, elle avait tout. Voilà. Et donc, le papa l'a recueillie. Et puis... En tout cas, c'est pas votre... Vous voyez ça d'un œil extérieur. Vous êtes... Oui. Effectivement, vous êtes depuis un an avec cet homme. Donc, on a toujours une vision différente. Hein. On voit mieux l'éducation donnée par les autres. Donc, ça vous choque. Mais en même temps, vous n'êtes pas directement concernée. Comme vous dites, c'est votre belle-fille. Donc attention de ne pas trop vous en mêler non plus. Parce que ce n'est pas une enfant dont vous avez, la charge au quotidien. Hein. C'est une jeune femme. Non, mais ça, c'est les propos qui m'ont été rapportés par des personnes de sa propre famille. Oui, mais après moi, tout... C'est vrai que je l'ai vue lorsqu'elle habitait avec nous. Le papa lui a payé le permis de conduire. Mais en quoi ça vous finalement en quoi ça vous regarde? Je vais être un peu abrupte. En quoi ça vous pose problème? Ça me regarde du fait que maintenant j'ai pu voir hier soir sur Facebook des insultes émises de la part de ce garçon et de sa fille qui le traite de con. Qui traite qui de con? Voilà. Donc le, mais le, qui traite de qui? Le jeune homme le traite d'emmerdeur et sa fille le traite de con. Parce qu'il faut savoir... Qui traite de qui? Le père? Non, le père, le jeune homme traite donc le père de sa copine d'emmerdeur. Oui. Parce qu'il veut pas le bonheur de sa fille et sa fille le traite de con, son père, quoi. Oui, voilà. Mais j'ai bien compris. Oui, tous les deux traitent, oui. Bon, mais ça... Parce que moi, j'ai connu cette jeune fille, je vis avec le papa. Bien sûr, je suis ni la mère, ni le père, Mais je suis, en quelque sorte, je peux pas rester indifférente à tout ça, vous comprenez? Oui, mais vous savez, bon, alors écoutez, déjà sur Facebook, donc vous êtes allé voir sur leur Facebook, vous savez, les jeunes utilisent beaucoup, c'est leur moyen d'expression, ça peut être aussi un défouloir. À un moment, ils ont mis ça sur leurs amis pour discuter. Voilà, ils se sont défoulés de cette façon-là. Maintenant, n'allez pas jeter de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que j'imagine que après, vous êtes allé dire à votre ami que sa fille le traitait non, de con sur tout. Facebook. Non, vous trompez. Là, je n'ai rien raconté à mon ami, justement, parce que je savais très bien que ça allait le mettre très en colère, parce que lui-même est très affecté. Gardez-vous bien de le faire. Oui, mais sa fille raconte pas mal de saleté sur son père, comme elle a pu écoutez, le raconter. Laissez-les dans cette relation. Pour le moment, il y a une situation un peu de conflit entre eux, d'opposition. Bon, il y a un premier acte au fond d'autonomie, d'émancipation. Alors effectivement, le père, c'est très bien, votre ami a posé des limites en disant il n'est pas question que vous restiez tous les deux, toute la journée, à traîner comme ça, sans projet, sans rien. En tout cas, en s'adressant à sa fille, en disant, bon, il faudrait un petit peu que tu prennes tes responsabilités. Là, sa fille lui dit, eh bien, on veut s'installer, prendre un appartement. Bon, votre ami, son père, lui dit, oui, mais comment ? Hein, il est réaliste, il est bon. Oui, finalement, ils se sont débrouillés. Ils ont pris un appartement. Ça peut être un premier acte d'autonomie. C'est-à-dire, par rapport à cela, ils vont s'arranger. Peut-être, au fond, sa fille va trouver, peut chercher un travail, peut faire des choses. Vous voyez, il faut aussi faire confiance. Alors, maintenant, qu'elle soit en colère
parce que son père s'opposait à ce qu'elle prenne cet appartement, qu'il y ait une réaction, vous voyez, là, de colère, et où effectivement les jeunes utilisent Facebook et mettent comme ça sur critiques et de façon bon un peu grossière leurs parents. Alors bon, mais c'est ce qui est embêtant dans ce côté Facebook, c'est que bon, apparemment vous pouvez avoir accès à sa page et vous l'avez vu. Bon, c'est dommage, il aurait mieux valu que vous ne le voyiez pas et que ça reste entre... C'est-à-dire qu'il m'a prise comme amie, donc forcément... Ben voilà, c'est dommage. Bon, ben, considérez qu'à un moment, il vous avait prise pour amie et puis que ça reste... Donc, il avait plutôt... Vous étiez plutôt considéré à un moment comme une alliée. Restez dans ce cadre-là et comme un élément pacificateur. Vous voyez, ne rentrez pas dans le conflit. Ben, c'est-à-dire que... Ça m'a chagrinée de voir comment sa fille peut le traiter. Parce que mais ça peut arriver, Sylvie. Oui, mais... Il ne faut pas prendre les choses trop au pied de la lettre. Je ne sais pas. Bon, vous, apparemment, vous avez la chance d'avoir des relations plus pacifiées avec votre fils, puisque vous me parlez de cette jeune femme. Vous ne me parlez pas de votre fils. Bon, vous semblez avoir des relations moins tendues avec votre fils. Tant mieux. Oui. Mais elles ne sont pas tendues du tout. Tant mieux. Mais il peut y avoir un moment, surtout à cet âge-là, des clashs, des moments d'opposition. Alors maintenant que ça vous chagrine que votre belle-fille parle comme ça de son père, bon, ça veut pas dire rien n'est figé dans le temps. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'elle a quitté sa mère, eh ben, ça a été le même topo, oui. C'est qu'elle dénigrait sa mère devant son père, et maintenant c'est vice-versa. Et elle joue sur les deux tableaux, donc on a l'impression... Comme souvent quand les parents sont séparés. Elle tire un petit peu la corde des deux côtés à son bénéfice. Oui. Mais quel est son intérêt d'aller raconter des saletés sur l'un et sur l'autre ? Parce que vous savez, ça fait tout le tour de la ville. Et après, ça se rapporte, ces histoires-là. Et après, les gens disent... Et vous craignez le camp, dira-t-on ? Ben, moi, non, je ne suis pas concernée par l'histoire. Mais c'est vrai que... Alors ? La mère qui raconte aussi des choses sur le père et vice-versa. Et même, il y a des trucs que j'ai pu découvrir, mais qui ne me concernent pas. Mais je veux dire, vous savez, les gens un petit peu savent qu'on peut à un moment être en difficulté relationnelle avec ses enfants sans pour autant être des parents défaillants. Non, qu'on peut avoir des moments comme ça de tension, des moments de crise, des enfants, je parle des grands enfants, hein, qui peuvent traverser des difficultés personnelles, qui peuvent se chercher. Mmh. Elle est à un âge où on peut se chercher, visiblement, c'est un peu ça, là, actuellement, sans pour autant, vous voyez, que l'on accable les parents en se disant, oh là là, ils ont failli à leur rôle de parents. Donc, il y aura toujours des gens pour dire pique-pendre, hein, pour colporter, pour relayer, qui vont se réjouir, se répandre de rumeurs, de choses comme ça. Mais majoritairement, les gens savent que bon, élever, éduquer un enfant, c'est complexe et bon, n'en tiendront pas compte. Oui. Donc je crois que par rapport à ce qui peut être dit, c'est pas ce qui est important dans le fond. Donc pour le moment, elle est en opposition avec son père, mais je crois que c'est plus vous là où vous pouvez avoir un rôle à jouer, Sylvie, c'est par rapport à votre amie, au contraire, d'essayer un peu de calmer le jeu, d'apaiser les choses. Rentrer, voyez, dedans et ne pas être dans finalement affecté comme vous semblez l'être, parce que de garder cette distance qui vous permet, parce que n'étant pas, comme ce n'est pas votre enfant, c'est-à-dire que garder cette distance pour permettre de dire finalement à votre ami que bon, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais que ça peut rentrer dans l'ordre, que bon, au fond, sa fille, eh bien, il faut peut-être essayer avant tout de lui faire confiance et qu'après tout, elle peut. L'important, c'est vrai que ce qui serait bien, c'est qu'elle ait un projet aujourd'hui. Donc,
en lui donnant certaines limites, il lui permet, ben, elle prend un appartement. Maintenant, ce qui serait important, c'est de pas créer une rupture de lien avec elle. Donc, qu'il garde le lien quand même avec elle. Bah, c'est-à-dire que il lui a demandé de venir la rencontre. Bon, moi, j'ai toujours dit à ma belle-fille, par SMS, puisque je la vois plus, qui serait bien, c'est que vous vous voyez autour d'une table et que plutôt que vous balancez des SMS ou passer par d'autres personnes, que vous vous rencontriez l'un et l'autre et vous discutiez. Voilà, sans... Et bon, elle ne veut pas. Le père lui a dit, écoute, viens un samedi matin parce que moi je serai là. Elle a répondu, bah, écoute, je suis pas à disposition, j'ai autre chose à faire. Bon, et c'est vrai aussi, c'est une jeune fille qui sort beaucoup, elle fréquente beaucoup les boîtes de nuit. Donc, la journée, elle dort, quoi. Voilà. Oui, mais vous savez, je vais vous dire, il y a beaucoup de jeunes, alors je suis pas en train de... Mais beaucoup de jeunes gens qui ont un rythme comme ça, parfois un peu décalé, et qui, oui, elle n'a pas pour le moment de projet. Elle n'est pas dans une formation, elle ne fait pas d'études, elle n'a pas d'emploi. Donc, elle est dans un rythme de vie décalé. Donc, oui, elle vit la nuit. Donc, si elle vit la nuit, eh bien, elle va dormir la journée. Oui, mais le problème, c'est que pour trouver un emploi, il faut se déplacer. D'accord avec vous. Mais moi, je lui ai proposé des solutions. Je lui ai même dit, écoute, si tu veux, pendant 3 mois, je t'emmène à ton travail, le temps que pour toi de... Oui, mais il faut en trouver un. Oui, mais il faut faire l'effort, il faut... Oui, non, mais Sylvie, vous êtes... pardonnez-moi, mais depuis le début, vous êtes dans une position de jugement, vous aussi. Vous rentrez, vous n'avez pas de distance. Vous n'avez pas, vous êtes dans une position aussi de où finalement vous êtes tout de bloc à prendre finalement parfois justement quand on est le tiers, on peut être regarder ça un peu de façon un peu moins passionnée que quand on est pris par l'affectif en tant que parent. Parce que c'est très dur quand on est comme ça dans des relations avec son fils ou sa fille, ou à un moment il peut y avoir des réactions de rejet, ou c'est compliqué de voir son enfant on a l'impression qu'il s'enlise, effectivement on se dit quel gâchis, ou bon. Donc quand on est un peu extérieur, on peut avoir justement ce regard un peu distancié qui permet d'être un peu moins dans le jugement. On a l'impression que vous épousez complètement la cause de votre ami. Et ça, c'est vous n'allez pas l'aider comme ça, lui. Vous n'allez pas le soutenir. Je sais pas. Mais non, vous n'allez pas l'aider. Vous pensez, parce que vous pensez l'aider en disant, ben oui, je suis avec toi, je pense comme toi. Mais on n'aide pas forcément les gens en pensant à tout prix comme eux et en épousant leurs convictions. Ben, disons que non, je suis... Non, je vous approuve pas tout à fait. Ben... Parce que j'ai essayer de comprendre un petit peu ma belle-fille aussi par rapport à ses rapports qu'elle a avec ses parents. Et j'ai pas toujours soutenu mon amie, justement. Donc, quelquefois, je suis allée contre ses... quand il me parlait de son copain, que c'était un fainéant et tout ça, je lui ai dit oui, mais peut-être aussi qu'il a aussi des raisons. Il trouve pas de travail. Bon, je lui ai dit aussi... du côté de sa fille, elle ne trouve pas de travail. Peut-être que elle trouve pas le travail qui lui plaît. Bon, je sais qu'elle a envie de faire un certain travail, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle veut être banquière. Voilà. Mais bon, ça c'est un très grand mot. Oui. Mais bah, pourquoi pas, hein ? Elle peut. Oui, elle peut mais reprendre je des lui études. Ai dit. Oui. Mais je lui ai dit que. Qu'elle était pas. Elle peut, travailler dans une banque. Oui, à 20 ans, il y a une possibilité. Elle peut tout à fait reprendre des études. Enfin, à 20 ans, il y a beaucoup de choses qui restent permises. Je l'ai encouragée dans ce sens. Je lui ai dit, écoute, rien n'est perdu pour toi. Tu peux faire des formations, tu peux t'exercer à plusieurs petits métiers. Tout à fait. Oui. Je ne l'attire pas vers le bas. Non, mais si vous voulez, ce que je voulais vous dire, c'est pas aller contre votre ami, c'est vous pouvez l'aider, lui, en essayant de dédramatiser un peu les choses.
C'est-à-dire en étant un peu moins affectée. Or là, vous êtes très affectée par le fait que vous avez découvert voilà, ce qu'elle disait sur Facebook. Alors, je reçois un mail d'Alexis qui dit « Si vous saviez à quel point je balance, entre guillemets, des saletés sur des gens sans cesse de ma famille sur Facebook, Facebook a juste pour rôle de révéler cela. » Voilà, par moments, ça défoule. Donc, si vous voulez, il faut... Bon, je dis pas. Alors après, évidemment, c'est le problème. Hein. Je suis pas, je veux pas dire que je suis en train de cautionner ça, mais vous, il faut essayer de dédramatiser un peu vis-à-vis de votre ami et de dire bon, qui garde le lien avec sa fille. Et après tout, peut-être, les jeunes ont aussi besoin qu'on leur fasse un peu confiance. Donc. Il a peur pour elle. En même temps, il lui dit « Prends tes responsabilités ». Quand elle lui dit « On va prendre un appartement », il lui dit « Non, tu vas pas prendre d'appartement ». Bon, eh bien, elle a quand même pris cet appartement. Après tout, peut-être, au fond, dites-lui « Ne te fais pas tant de soucis ». Peut-être qu'ils sont en train de commencer à prendre leurs responsabilités et qu'ils vont s'arranger pour faire en sorte que face maintenant au fait qu'ils ont un appartement, bah, il va bien falloir payer un loyer, payer s'ils prennent... Vous voyez, ils vont devoir faire face à des réalités bien matérielles. Donc, attendons de voir. C'est vrai que... Mais dites-lui ça peut-être à votre ami, déjà dans un premier temps. Il le sait tout ça, bien sûr. Eh bien dites-lui de lui faire confiance un peu à sa fille. Oui, ils ont aussi besoin de ça, les jeunes gens. Oui, mais ce qu'ils n'apprécient pas, c'est les ragots, les... Enfin, c'est ah oui, les non, ragots. Mais ça, écoutez... Que sa fille raconte sur lui, oui, mais qu'elle ça, la fout de la porte. Mais ça, ce n'est pas vrai. Moi, j'étais là, le père n'a jamais oui, mais bon, sa écoutez, fille à la porte. Ça... Elle a compris peut-être dans ce sens-là, mais... Oui, mais donc... ça, après tout, que sa fille raconte... Bon, pour le moment, elle a besoin de dire les choses comme ça... Après, les gens, c'est pas très important. Oui, mais le qu'en dira-t-on, c'est pas le plus important dans l'histoire. L'histoire, c'est ce qui se passe entre lui et sa fille. Après, ce qu'en pensent les gens, c'est pas ça l'important. C'est peut-être là aussi où il faut. Ben oui, mais j'ai l'impression que ça compte beaucoup. Ben bien sûr, ça compte beaucoup. Ah ben et pourquoi ? Pourquoi ? Ah ben parce que tous ces personnes-là vont se mettre d'un côté ou de l'autre. Voilà, tout simplement, et raconter des saletés. Et alors finalement, la réputation, le qu'en dira-t-on, compte plus que ce qui peut se passer de la relation, de ce qui se joue de la relation. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est-à-dire que surtout quand c'est dit de la part de cette jeune fille, quoi. Non, mais l'important, voilà. C'est le lien qu'il a avec sa fille. Mm-hmm. C'est pas ce que les voisins vont cancaner ou rapporter. Or, finalement, on a l'impression que c'est plus ça qui est préoccupant, l'image que ça renvoie. Non, pas du tout. L'image, il en a rien à faire. Lui, ce qui lui importe, c'est le bonheur de sa fille. Mais... Bah alors, si c'est le bonheur de sa fille, qu'il accepte que finalement, sa fille, pour le moment, elle a un petit peu pris du champ. Mm-hmm. Bon, elle a besoin de se défouler, de dire que bah, son père, elle est en colère, elle n'est pas contente. Ça peut arriver. Elle exprime son agressivité. Elle a besoin d'en passer par là. Peu importe si elle raconte comme ça des choses qui ne lui font pas plaisir. Grandir, ça se fait parfois un peu dans la douleur et parfois en attaquant directement ses parents. Ce sont des choses qui passent. Il faut résister en cas de tempête. Et puis tenir bon s'il y a des gens qui viennent raconter des choses. L'important, c'est pas le regard de réprobation des voisins. Oui, c'est le oui, lien qu'il construit fait. Avec sa fille. Tout à fait, oui. Céline dit, si vous voulez aider de votre belle-fille, lui laisser le temps du large, elle en a besoin. Et ne oui, pas focaliser, ce n'est pas grave. Et puis quelqu'un qui dit, c'est normal que ça vous touche, mais je pense que tout ça ne vous concerne pas, malgré les conseils des parents, mais du temps à en prendre conscience. Ouais. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'au fond,
vous-même dans cette rigueur que vous avez vis-à-vis d'être votre bonne fille, n'êtes-vous pas aussi vous-même assez exigeante vis-à-vis de vous-même ? Exigeante, ça veut dire ? Exigeante, vous-même, êtes-vous assez exigeante vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire quelqu'un de très rigoureux, enfin, vous avez vous-même... Vis-à-vis de vous-même, hein, je veux dire. Oui, non, je dis... Non, au contraire... Vous vous faites pas de cadeaux, j'ai l'impression, à vous-même. Non, pas du tout. Non, vous êtes indulgente vis-à-vis de vous-même. Oui, en fait, j'essaye de comprendre les réactions des personnes. Je ne juge pas les personnes, mais j'essaye de comprendre pour les aider. Voilà, donc c'était le but de mon appel. Mm. Comment aider l'un et l'autre, justement, à renouer... Ne pas forcer les choses. Vous voulez trop forcer les choses actuellement. Vous voulez trop... Vous prenez les choses trop frontalement, Sylvie, actuellement. Oui, certainement, Vous voyez, vous avez... on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Peut-être. Donc, laissez du temps, un petit peu, et le côté on va se mettre autour d'une table et on va discuter, non, parce que peut-être que là, actuellement, ça irait à l'affrontement. Donc, quand on dit ne pas maintenir un lien, ça peut être aussi dire le père peut envoyer un petit texto à sa fille, dire finalement, je comprends ta décision et je la respecte et voilà, et je te fais confiance. Ça peut être aussi ça. Vous voyez, c'est pas forcément on se met autour d'une table et on y va et on discute. Hein, parce que qu'est-ce que tu as été dire sur moi et autres ? Non. Vous voyez, ça peut être aussi... D'accord. Je te respecte et je te fais... L'un et l'autre, de toute façon. Ben alors, d'autant plus. Donc voilà. Hein, ne forcez pas les choses. Restez un peu en dehors. Je pense que c'est comme ça que vous les aiderez le plus. D'accord, très bien. Voilà. Merci pour votre aide. Je vous en prie. Au revoir, Sylvie. Au revoir, merci. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Des messages qui arrivent suite au témoignage de Sylvie. Olivier, le patrouilleur, me dit en attaquant trop frontalement, ça renforce la défiance de cette jeune fille. Restez le plus possible en dehors du conflit, Sylvie. Et puis un message qui me dit à Facebook, ça devient vraiment insupportable de n'entendre parler que de ça. Étaler sa vie privée sur Internet, c'est pas mon truc. Suis-je un extraterrestre, docteur ? Oh, je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que il y a beaucoup de gens. On est deux, il y a au moins deux. Moi, j'ai pas de page Facebook non plus. Non, je crois que c'est une question de génération. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tous les jeunes ont leur page Facebook, des moins jeunes hein, d'ailleurs. Mais je pense que d'ailleurs, on entend autour de nous maintenant de plus en plus de personnes qui en reviennent, hein, qui disent que quand même, il faut un peu attention à ce qu'ils mettent. Et puis c'est vrai que je crois que oui, ça pose question quand même de mettre comme ça sa vie privée en ligne, enfin privée en même temps. Quand on voit parfois ce qu'il y a sur Facebook, c'est pas non plus c'est pas une intimité folle, hein. Et heureusement, c'est somme toute, on voit pas tellement l'intérêt des informations, mais bon, je sais pas, c'est une façon d'être toujours relié aux autres, mais il y a des, je vois là, j'ai des ados autour de moi, c'est parfois le premier geste qu'ils font en se réveillant, hein, c'est se connecter pour voir leur copain, la page Facebook, quelle humeur ils ont, dans quel état d'esprit ils sont, quelle humeur, où ils sont, enfin bon. Il y a Georges qui me dit allez que Sylvie ne s'inquiète pas trop, sa belle-fille va forcément trouver un boulot. Regardez Fifi, il traîne bien dans toutes les boîtes de nuit aux quatre coins de la planète et ça l'empêche pas d'avoir un bon job. Hein. Alors c'est vrai vu comme ça, mais c'est vrai j'avais pas pensé. Merci Georges, j'aurais dû dire. J'espère que Sylvie est à l'écoute et que ça va un peu la réconforter. Allez, on va accueillir maintenant Luna. Bonsoir Luna. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Ah mais vous ne me dérangez pas du tout. Bien au contraire. C'est gentil. En fait, je ne sais pas trop si c'est... Enfin, des fois je termine tard et j'écoute votre émission. Et puis...
Donc ce soir, j'avais un petit souci et puis j'ai envoyé un SMS et en fait, la personne qui s'appelle Justin, je crois, m'a... Oui, on vous a rappelé. Vous avez un souci avec un employeur. Oui. Alors en fait, c'est le problème, c'est que normalement, je devais travailler. Enfin, j'avais proposé de travailler demain et puis aussi après-demain et vendredi. Et j'avais proposé par courrier postal, pas recommandé, c'est pas la peine. C'est un emploi chez les particuliers. Et en fait, je suis assez embêtée parce que le père de famille a été une fois vers Noël très très violent, jusqu'à bon dire très très violent en parole quand je vais demander qu'on fasse un contrat, mais surtout outre les paroles, capable de jeter un tabouret juste à travers la pièce. Donc ça me faisait un peu peur. Il bah, y a donc, de quoi attendez, et c'est inadmissible. Pour quelle raison Mais juste parce que je lui demandais qu'on fasse un contrat. Et je lui un contrat de travail. Oui, 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 un contrat de travail. Et donc moi j'ai gardé cette image d'un homme quand même très surprenant, quoi. Oh bah, oui, c'est même pas le terme. Enfin, de tel alors que vous demandez un contrat de travail, qu'il ait un tel accès de colère, de violence, ça ne va pas. Et depuis, j'ai pas revu le père en fait, parce que à la suite, j'avais envoyé un recommandé en lui disant que j'essaierais de pas venir quand il serait là, quoi. Donc comme lui, il est plutôt là le week-end et donc voilà, j'essayais de faire comme ça parce que j'ai hésité à démissionner de ce travail devant sa violence. Finalement, j'ai jonglé comme ça. Mmh. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que demain, je pense qu'il y a peut-être un froid avec les parents. Et parce que j'ai insisté par SMS en demandant à la maman, je vous ai proposé de venir, vous ne me répondez pas, qu'est-ce qui se passe? Je sais par accusé de réception sur mon téléphone portable qu'elle a bien reçu le SMS. Elle ne me répond pas. Donc, moi, au niveau du droit du travail, je pense qu'il faut mieux que je me présente. Mais ce qui me fait peur, enfin, c'est peut-être un peu ridicule à me parler de ça à l'antenne, mais c'est que je me dis, si je demande conseil à la direction du travail, il risque de me... conseiller de me présenter. Mais en fait, j'ai vraiment la trouille parce que comme on est en période de vacances, tout ça, si ça se trouve, le père, il va être là. Et alors attendez, vous travaillez pour eux depuis combien de temps? Depuis novembre. Mais alors, je comprends pas. Quel est votre travail précisément? Ils font des cours à leur fils, à un de leurs fils. Et vous travaillez combien d'heures? C'est pas régulier du tout. En fait, au niveau de... Vous donnez des cours particuliers? Oui. Mais alors, c'est-à-dire que pour le moment, vous êtes payé, ça se passe... C'est de la main à la main, quoi. Il me déclare par CESU sur Internet. Par chèque emploi-service, si vous voulez. Par chèque emploi-service, d'accord. Oui. D'accord. Et comme de toute façon, ils ont fait toujours des chèques jusqu'à présent, donc après, il y a quand même une preuve, même s'ils n'y pensent pas, de toute façon, il y a quand même une preuve, quoi. Donc, vous voulez quoi précisément? Ben, en fait, c'est juste, je ne sais pas quoi faire parce que... Non, mais parce que vous avez donc un chèque emploi-service qui vous donne accès aux droits sociaux. Oui. C'est ça? Et là, vous voulez un contrat de travail? Ça, normalement, les chèques emploi-service vous donne accès à des droits sociaux, eux déclarent. C'est ça, j'aimerais... vous voulez un contrat de travail Non, excusez-moi. L'histoire du contrat de travail, c'est que je vous ai raconté juste pour vous dire que le père de famille, il pouvait être un petit peu violent des fois, enfin surprenant, disons. Mais depuis... Non, mais ça, j'ai bien compris. Mais c'est-à-dire, moi, ce que... Ça, j'ai bien compris, son attitude est inadmissible, Luna. Mais c'était suite... à une demande, et ça ne justifie pas cette violence, mais vous aviez demandé, je croyais qu'il n'y avait aucun cadre. C'est pour ça que j'ai essayé de comprendre. Donc, c'est dans le cadre de chèque emploi-service. Et là, vous voulez en plus un contrat, c'est ça? Mais de toute façon, le cadre du chèque emploi-service n'exclut pas l'obligation du contrat à partir du moment où c'est un travail régulier toutes les semaines. Je me suis bien renseignée auprès de... D'accord. De l'inspection du travail. Donc après, bon, avec eux, on en a fait un très très succinct parce que vu comment le père partait en vrille,
Je leur ai demandé qu'ils me signent un papier, au taux horaire, etc. Au moins leur signature, quoi, pour me protéger si jamais il y a un jour il y a un souci. Mais voilà. Donc on n'a pas fait un vrai, vrai, vrai contrat parce que je n'ai pas insisté sur le sujet. Oui, parce que là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il s'est énervé, qu'il ne voulait pas. C'est oui. L'histoire du contrat de travail qui l'a énervé. Oui. C'est votre seul employeur ? Non. Et les autres employeurs, vous avez ce cadre-là du contrat de travail ? Il y en a qui. Non, il y en a qui on ne l'a pas fait. Parce que quand il y a qu'une. Parfois, il y en a où il y a très, très peu d'heures. Donc, je sais que ça leur fait peur en tant que particulier, donc j'insiste pas trop. Et de toute façon, je n'ai pas le choix. Mais bon, tant que je suis payée et que je suis déclarée, c'est déjà ça, je me dis. Alors là, demain, vous avez peur d'y retourner parce que vous avez peur d'être confrontée à cet homme. C'est-à-dire, depuis que, si je comprends bien, il y a eu les vacances, Oui. Vous n'avez pas eu de contact depuis. Vous voyez avec cet homme, c'était la mère qui était présente. Oui. Et là, vous avez envoyé des SMS en demandant quoi précisément sur vos SMS ? Ben juste, est-ce que vous avez bien reçu, je vous propose de venir demain, est-ce que je viens ou pas ? Et en fait, je ne sais plus quoi faire. Et vous n'avez pas eu de réponse ? Je trouve ça bizarre, oui. Enfin, bah, écoutez, si vous n'avez pas de réponse, c'est que, a priori, vous n'êtes pas attendu. Non ? Justement, je ne sais pas, en fait. C'est-à-dire que je ne comprenais pas au niveau du droit du travail, quoi. Enfin, c'est peut-être moi qui me complique un peu la vie, mais... Oui, je crois que vous vous compliquez, là. De toute façon, c'est plus... Alors, ce qui est embêtant, c'est que, bon, c'est une perte pour vous de revenus, mais en même temps, dans un contexte qui est quand même très problématique, parce que si cet homme a des accès de violence, ça s'est produit à plusieurs reprises ? Non, parce que je ne l'ai pas revu, en fait. J'ai essayé jusqu'à présent de ne pas le revoir. Mais normalement, vos cours, les cours, ce n'était pas à jour et à heure fixe. Non. C'est-à-dire que normalement, c'était en période de cours, enfin, pardon, en période de scolaire le soir. Et là, en période de vacances scolaires, il n'y a pas d'horaire fixé. Donc là, ce sont les vacances ? Oui. Et ils ne vous ont pas appelé pour vous dire quand vous deviez venir. Oui. Ben alors, vous n'avez pas à y aller, Luna. Pourquoi vous tourmentez comme cela ? Je ne sais pas, c'est un peu ridicule sans doute. Mais... Non, je n'ai pas dit que c'était ridicule, mais enfin, vous n'avez pas de réponse à votre SMS. Vous n'allez pas vous présenter comme ça à n'importe quelle heure de la journée. Et ça se trouve, ils sont même en vacances. Mais au-delà de cela, est-ce que vous envisagez de poursuivre dans ces conditions ? Si vous vous sentez comme ça, au fond, avec une forme de menace qui pèse au-dessus de votre tête ? Le problème, c'est plus au niveau financier, quoi. Oui, mais est-ce que vous ne pourriez pas, si vous donnez des cours particuliers, travailler peut-être de façon plus sereine dans une institution ? Ça pullule hein, en ce moment les institutions qui donnent des cours particuliers aux enfants. Vous ne vous êtes renseigné ? Ça serait peut-être plus. Il y aurait au moins un cadre là pour vous que de dépendre. Alors quand ça se passe bien, c'est formidable, mais que de dépendre de particuliers, vous voyez, de parents et de parents parfois ombrageux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous vous êtes renseigné auprès des institutions je ne peux pas me donner les noms, mais enfin, elles sont connues. Hein. Il y a de la publicité partout. Vous voyez, celles auxquelles je pense. Qui recherchent beaucoup des enseignants dans de nombreuses matières et qui peut-être seraient intéressés par les services que vous pourriez proposer. Oui. Non ? Si, je connais un petit peu, oui. Non, parce que vous semblez, là, vous semblez dire, est-ce que j'y vais demain ? Bon, alors j'entends, moi, la réponse que je peux vous donner, si vous n'avez pas de réponse à votre SMS, non, vous n'allez pas y aller demain, puisqu'ils ne vous ont pas rappelé. Mais au-delà de ça, je dirais, c'est continuer dans un contexte où
il y a cet homme, ce père de famille qui quand même vous balance un tabouret à la tête lorsque vous parlez de faire un contrat de travail. Il aurait pu vous dire, bon, moi ça ne m'arrange pas. Alors évidemment, légalement, c'était pas clair, mais il vous le dit peut-être en étant un peu de mauvaise humeur, mais enfin là, ça va pas. Vous allez travailler dans de très mauvaises conditions. Vous y allez travailler concrètement la peur au ventre, en vous disant pourvu qu'il soit pas là. Alors, bon, travailler dans ces conditions-là, regardez d'ailleurs l'état dans lequel ça vous met, déjà de dire j'ai pas eu un SMS, est-ce que je dois y aller, pas y aller. C'est pas normal, ça. Alors, ça vaut peut-être la peine, soit bah, de trouver d'autres enfants à qui vous pouvez enseigner, proposer vos services, ou peut-être réfléchir à d'autres institutions. Enfin, à aller proposer vos services à des institutions. Mais en tout cas, par rapport à demain, dans la mesure où ils ne vous ont pas rappelé, et puis à ce moment-là, leur signaler en envoyant pour être sûr, si vous voulez dire que concrètement, compte tenu de ce qui s'est passé, en lettre commandée, vous leur dites que vous ne souhaitez plus vous arrêter les cours que vous donnez à leur fils, étant donné ce qui s'est passé. L'accès de violence, voilà. Je pense qu'il y aura pas de suite. Hein. Oui. Ben oui, bien sûr. Oui. Tout simplement. Oui. Au revoir, Luna. Au revoir. 39, 21, 34 centimes la minute. Bonsoir, Hélène. Hélène, vous êtes là? Hélène, êtes-vous avec nous ou pas? Non, on va passer un peu de musique alors. Bon, on n'a pas retrouvé Hélène, on l'aura peut-être demain, je ne sais pas. Il y a eu un petit souci avec son téléphone. Sachez en tout cas, si vous souhaitez nous rappeler demain, ma chère Hélène, vous serez la bienvenue. Bonsoir Jeannine. Allô, bonjour Caroline, je vous remercie. Mais je vous en prie. Voilà, j'avais vraiment l'idée de vous appeler. Là, j'ai bondi là avec les histoires d'enfants qui sont éloignés. Qui étaient éloignés, oui. Puisqu'il est parti à l'île de la Réunion, il s'est installé et puis maintenant, ben, il a une petite famille. Il est en divorce. Heureusement qu'au téléphone, j'ai pu l'aider au téléphone. Oui. Il était démoralisé. Et bon, maintenant tout va mieux, mais vraiment l'éloignement a été pour moi un crève-cœur. Pour son père, ça a été terrible. Maintenant, il n'a plus son père, et moi, pour moi, c'est toujours la même chose. Et j'appréhende. Il va venir ses vacances au mois de juillet, et oui. J'appréhende parce que quand il s'en va, c'est vraiment j'ai beaucoup de peine. Mm. Et je ne peux pas me guérir de ça. À chaque fois, c'est comme ça. Ah, on les dit partir, c'est mourir un peu. Qui ah le oui, disait oui, ça, puis ça m'a toujours fait ça. Quand oui. J'ai quitté ma famille, même si j'allais me promener, de quitter mes parents, c'était un crève-cœur. Quand je quittais mon oui. grand-père, c'était un crève-cœur. Et maintenant, avec mes enfants, c'est vraiment oui. affreux. Voilà. Oui, oui, il y a des personnes pour qui la séparation est quelque chose d'un peu compliqué quand oh, on n'a pas. Oui, oui, oui. Quand, il faut essayer de me guérir, de me raisonner. Par... Mais vous yeah. savez, je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là parce que il faut avoir un certain. Je reviens toujours à ce sentiment de sécurité intérieure et qui se développe vraiment dans les tout premiers temps de la vie. Il faut qu'il y ait plusieurs choses ça, parce que, qui se mettent en an, place. Et... À un an et demi, j'ai perdu ma mère. Et donc, à un an, oui. sans doute, je l'ai quittée. J'ai été mise dans les bras de ma tante. Et donc, peut-être que ça vient de là. Oui, c'est. Ben, oui, vous avez été confrontée à une séparation. Et quelle séparation, oui. Oui. Et puis après, ça a été avec le père pendant la guerre, 6 ans, voilà. Mmh. Mais, et de quitter mon grand-père, mais c'était un crève-cœur. Et, oui. et puis là, ben, je recommence. Oui. Tout le temps pareil. Oui, ça, il y a certainement à travers cela des souvenirs, ça reste inscrit oui. en vous que oui. vous revivez. J'ai toujours peur de jamais les revoir. Et oui. Je ne pourrais plus les revoir. Oui. Oui. C'est terrible, terrible. Oui, 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 il y a quelque chose que ça ravive inconsciemment, consciemment. Hmm?
Oui. Oui. Alors, je ne sais pas par quel moyen je vais me guérir. C'est un peu compliqué. Il y a toujours ce sentiment comme ça, un peu difficile. Si ce n'est que bon, vous savez qu'ils reviennent vers vous, que vous allez les revoir là cet été, et voilà. Hein. Et oui, il y a toujours ce pincement, comme on dit, sur les quais de gare ou dans les aéroports. Voilà. Oui. Bon, l'été approche, Janine. Bientôt, il va être là, votre fils. Hein, il va être là. Ah, je sais, on ne guérit pas de tout, vous savez, mais et on en souffre, on en souffre. Non, moi, j'ai essayé d'un peu de soulager. On en souffre un petit peu moins. Merci en tout cas d'avoir appelé, Janine. Au revoir. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h.